droit, j'ai pas droit. Munissez-vous de vos petites pancartes. Nous allons y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes. Parfait. Première question. On commence et fort. Je vois que Maître Mimi rigole déjà. Moi, j'ai déjà voilà. Très peur. Hein. Oui. Ouais. J'ai le droit d'avoir une aventure extra-conjugale si je suis paxée. Et donc, si je ne suis pas mariée. Vous voyez, la question même juridique. Mais j'ai le droit. Pas, tu commences par là. Mais comment ça, j'ai le droit? J'ai le droit. Il n'y a aucun texte légal qui te l'interdit. On ne peut pas te sanctionner pour j'ai ça. J'ai le droit, alors, je suis paxée. Alors, allez-y. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Oui, parce que quand tu es mariée, tu n'es pas censée, normalement, attention. Tu on n'a pas le droit, mais est-ce que ça empêche les gens? Non, ça n'empêche. Mais, il y en a aussi qui vont des excès de vitesse. Ils n'ont pas le droit. Non, mais rappelle-nous le problème quand on est marié et qu'on a une aventure. Que disent les textes? C'est un motif de divorce. C'est un motif de divorce, de sanction, même de dommage-intérêt. Les époux ont une obligation de fidélité. C'est les paxés? Ah, c'est pas ça la question, en fait. Bien sûr, voilà, c'est ça la question. Ah, t'as envie de changer? Tu te c'est quoi la question? C'est j'ai le droit. La question est est-ce que j'ai le droit une obligation de fidélité quand je suis paxé? J'ai le droit d'avoir une aventure extra-conjugale, oui ou non? Quand je suis paxé, j'ai le droit ou pas? Ah oui, c'est j'ai ça. Le droit. Tu ouais. dis j'ai le droit. Ah bah je, oui, tous les trois, vous pensez moi, qu'on a le droit. On a le droit. Légal, moralement, non. Mais légalement, il oui. n'y a pas de c'est problème. Pas écrit dans la loi. Alors, Gérard, contrairement au mariage, il n'y a pas obligation. Ce qui m'interpelle, c'est que Victoire, qui est paxée, dit j'ai le droit. Je ne me souviens pas avoir juré fidélité quand je me suis paxée, c'est bien pour ça. Eh bien, tu as raison, juridiquement, puisqu'effectivement, aucun texte ne prescrit une obligation de fidélité. C'est incroyable, en fait. Pax. Dans le pax, mais pour une raison simple. Ce n'est pas obligatoirement un couple d'hommes et une femme pour constituer une famille, faire des enfants. Tu peux te paxer avec un ami, avec un voisin, parce que c'est plus simple pour vivre ensemble avec un colocataire. Ce n'est pas constitué. C'est pas une union d'amour, tu veux c'est dire, pas en fait une union d'amour. Il est temps de jamais. Tu dis avec son voisin. Mais oui, tu as le droit de te paxer avec son voisin, même si tu ne l'aimes pas. Tu vas me dire que tu peux te marier aussi avec ton voisin. Mais. L'obligation de fidélité, c'est parce que la loi considère que le mariage, c'est la cellule de base à la de la famille. À la mairie, on ne jure pas fidélité, si? Bien sûr que si. Ah, si. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Et se doivent, d'accord, mais on ne jure pas, quoi, on dit se pas. Doivent. Et l'officier d'état civil on lève pas la main droite, te lit ensuite l'article 213. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Que la Cour de cassation interprète comme une obligation de partager le même bien. Lit. C'est bien d'avoir ce petit rappel. Oui, il avait oublié, j'ai l'impression. C'est, bien, oui. C'est une bonne réponse pour tout le monde. Bravo. Vous étiez bien avisé sur ces sujets. Okay, oui. Attention, ça va se corser. J'ai le droit d'inviter une collaboratrice à dîner si je n'ai que des intentions amicales. Gérard. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gérard? T'as cinq questions sur le sujet, là, ou on parle d'autre chose? C'est le démon de midi. Il frétille, là. Alors, j'ai le droit d'inviter une collaboratrice à dîner si je n'ai que des intentions amicales. Bah, pourquoi, en fait, on n'aurait pas le droit? Ça peut être interprété comme un peu tendancieux, c'est ça? Vous dites, il n'y a aucun problème, hein? Aucun problème? Si c'est un dîner, est-ce que le dîner forcément alors, passe dans un cadre privé non, mais si ou on en est à ne plus pouvoir inviter une collaboratrice, et on ne précise pas s'il y a un lien de subordination ou pas. Si une collaboratrice, il y a un lien de subordination. Bah, pas forcément. Si. C'est collègue. C'est que je suis. Sinon, on dit une collègue. C'est une collaboratrice, c'est que je suis. Ah, tu changes. Attention. Le fait qu'il y a un lien. S'il y a un lien de subordination, c'est autre chose, à mon avis. Ça compte le fait que ce soit dîner, pas déjeuner? Réfléchis. Allez, est-ce que dans les textes ça compte, c'est ça? Mais c'est ce que va nous dire Gérard. Vous maintenez. Attention, tu changes. Ouais. Toi, tu restes comme ça? Ouais, je vois pas. Sûr, dîner, je vois pas le problème. Rien de... Bon, allez, Gérard. Pourquoi ai-je parlé d'un supérieur? Parce que je savais bien que mon voisin allait se tromper en se disant harcèlement. Pourquoi j'ai parlé de dîner? Parce que je savais bien que Victoire allait dire « Oh, dîner, c'est ça se termine à l'hôtel. » Et le seul qui donne une bonne réponse, c'est Fabien. Eh oui. On a le droit, bien sûr, si c'est une fois. Je n'ai pas le droit toutes les semaines de t'inviter à dîner. Ça, c'est du harcèlement. D'accord. Exactement. Mais pourquoi dîner, pas déjeuner? Pourquoi pas dîner? Ça ne nécessite pas derrière, forcément. Et donc, toutes les semaines à déjeuner, ce n'est pas du harcèlement. Toutes les semaines à déjeuner, c'est du harcèlement. Oui, c'est la répétition, que ce soit le déjeuner ou le dîner. C'est la répétition qui est susceptible de mettre mal à l'aise. Bravo, Fabien, ça te permet de prendre la tête. Tu as tenu bon. Non, j'ai dû changer d'avis comme ça. Je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a un loup, là.
T'as bien et fait. Tu t'es dit, je vais rester contre. Vislade, et aux précisions qui sont des pierres. T'as été c'est très bon, là, c'est vrai que tu as été particulièrement filou, Gérard. Troisième question. J'ai le droit... Là, j'écoute pas. Ça va trop loin pour moi. Non, ça va, ça se calme. Ça va, ça va. J'ai le droit de stocker des bidons d'essence dans la cave de mon immeuble. Qu'est-ce que c'est que cette question? De stocker des bidons. T'as trouvé ça où? Mais de l'essence. Où tu vas, le prix d'essence va augmenter, ah oui. Donc tu remplis des bidons et tu stockes dans ta cave. J'ai le droit de mettre des explosifs dans ma cave. C'est Gérard, ça. C'est ça. Gérard, on parle de... C'est ma cave à moi. Cave personnelle, ouais, dans l'immeuble. Donc, est-ce que, ouais, en gros, je stocke ce que je veux, y compris les matières inflammables? Inflammables, oui, l'immeuble, c'est très dangereux. J'espère qu'on n'a pas le droit. Ah, ça faisait longtemps. Ouais. J'en sais. Ah, tu ah, ne lui demande pas de précision, attention. Attends, j'en sais, il faut que tu répondes là. Non, mais je, allez, je vais jouer. Ah, tu joues. Ah, parce, oui, parce qu'il n'y a aucune différence entre un bidon d'essence et 14 litres de chartreuse ou d'eau de vie. Mais la chartreuse, ah, t'as pas le droit, ah, hein, droit de la chartreuse. Il n'a pas le droit de la chartreuse. Non, non, mais des bonbonnes d'eau de vie, ça peut être explosif. Oui, alors Gérard, réponds-moi. Je vais répondre à Jean-Sébastien. Il y a un texte sur l'essence, il n'y a pas de texte sur la chartreuse, le cognac, le porto, le martini. Voilà. Sur l'essence, il y a un texte qui interdit de stocker de l'essence, c'est inflammable, sauf celui qui sert aux tondeuses à gazon. Ah oui. Ah, quand même. Et encore, ah, quand même. Celui-là est limité à 20 litres. On n'a pas le droit de boire plus de 20 litres, c'est-à-dire deux bidons d'essence pour sa tondeuse dans la cave. Oui. Au-delà, on n'a pas le droit de stocker de l'essence. Pour des problèmes... De risque d'incendie. De risque de... Bah, oui. Ce qu'il y a de bien avec la loi, c'est qu'elle ne motive jamais, ouais, pourquoi elle décide quelque chose. Ouais. Parce qu'elles ont libre cours à toutes les interprétations. Excuse-moi, mais si je les stocke dans mon appartement, j'ai le droit? Non, il est interdit. J'ai donné la cave. C'est pas la cave. Okay. Voilà. C'est fait tout exploser. Allez, on fait un point sur les scores pour voir où vous en êtes. Jean-Seb, là, t'as raté le coche. Cette dernière question. Il est tout à sa cuisine, j'ai l'impression. Et au classement général, pour l'instant, tu es bon dernier. Mais tu vas peut-être te refaire sur cette question. J'ai le droit de photographier un policier qui me contrôle. Intéressant. J'ai le droit de photographier un policier qui me contrôle. Pour éventuellement, derrière, peut-être, faire des remontées. Alors, c'est le droit ou j'ai attention, pas le droit? Attention, il y a un piège. Bah oui. Vous, dites vous pensez tous les trois moi, qu'on a le droit de faire. Moi, j'ai vu faire, mais je ne sais pas si on a le droit. On n'a pas précisé avis, avec son consentement. À mon avis, c'est la diffusion qui est interdite, mais tu peux photographier. Ah. Il y a de célèbres affaires qui ont relaté ce fait-là, et je pense ne pas me tromper. Gérard. Eh bien, Fabien mérite le point qu'il va avoir, les autres aussi, mais lui, en plus, a donné la bonne motivation. Ah. Ce qui est interdit, c'est la diffusion. Oh, on a parfaitement le droit de photographier un fonctionnaire de police, de le filmer, c'est la jurisprudence, ça se fait dans toutes les manifestations. Absolument. Prochaine question. J'ai le droit de demander à mes employés d'acheter eux-mêmes leur fourniture de bureau. Voilà, les c'est employés. Mon producteur qui a ça, suggéré cette question. En disant, vous achetez vos crayons, votre pas papier. J'ai le droit de demander une nuance. Quand on dit acheter, ça veut dire payer. Oui, qu'ils payent de leur poche. Avec de l'argent. Oui. Fourniture, voilà. Sous-entendu, sans remboursement derrière. Oui, bien sûr. Ah bah oui, parce que c'est pas de... ce que je veux dire. Non, non, c'est très courant. C'est pas une avance. Non, non, c'est que tu payes. Tu te méfies vraiment des pièges de Gérard. Ah, complètement. Acheter ou payer, pour moi, c'est pas payer de ta poche. Allez-y, répondez. Est-ce que l'employeur a demandé les employés? On n'est pas à l'école. À l'école, on amène son matériel. Et encore, à l'élémentaire, c'est l'école qui fournit. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais là, on parle d'entreprise. Non, mais toi, tu dis oui, pas de problème. Tu penses que c'est possible? Moi, je dis oui parce que je pense qu'il y a un truc, c'est juste quand un employé veut quelque chose, veut une fourniture, et que le patron lui dit, ben oui, vas-y, achète-le. Ah non, mais là, c'est pas ça la question. Moi, je voulais des stylos de telle couleur. Les fournitures de bureau, c'est pas ça. Oui, oh, bah oui, monsieur. Allez, la réponse de Gérard. Eh bien, la réponse, c'est que depuis 1936, l'interdiction de ce qu'on appelle le régime des amendes est interdite. Tout prélèvement sur le salaire de l'employé, pour quelque motif que ce soit, relatif au travail. Il n'a rien à payer. S'il a un uniforme, on ne peut pas lui faire payer. C'est formellement interdit depuis 1936. Hey, c'est ça. Il n'y avait pas de piège. Il y avait tu comprends le problème de ces questions. Oui, c'est que cette fois, il n'y avait pas de piège. On se méfie. Bon, tu es toujours en tête, Fabien, avec tes 5 points. Tu m'as l'air désolé. On a le temps pour une dernière petite question. T'as l'air vraiment désolé. Ah, parce que ça devient un peu récurrent dans le jeu. Ah non, c'est faux. Non, tu débrouilles bien. Tu débrouilles bien. J'ai le droit de mettre des autocollants de mon syndicat n'importe où sur le mobilier urbain dans ma ville.
Mobilier urbain, c'est ce qu'on entend habituellement. Hein, ouais. Bah, les bons. J'ai le droit de mettre des autocollants de mon syndicat sur le mobilier urbain dans ma ville. Ah, alors, on sait tous les trois qu'on n'a pas le droit. Franchement, j'aurais répondu comme vous, ça me paraîtrait quand même très étonnant qu'on ait le droit. Ah, d'accord, alors on peut changer. Non, mais Gérard. Je pensais qu'ils avaient posé la question, est-ce que ça dégrade le mobilier ? C'est-à-dire, est-ce que ça l'abîme ? Ça l'abîme, forcément. J'allais répondre, bien entendu, ça l'abîme. Parce que quand on enlève un autocollant, il en reste toujours quelque chose. C'est donc ce que la loi appelle des dégradations légères sur le mobilier urbain. C'est puni d'amende à 750 euros. Et donc, vous avez raison tous les trois. Oh. Non, bravo, bravo. Magnifique. Alors, les scores. C'est Fabien qui a gagné. Le score final, puisque ça y est, c'est terminé. Bah, dis donc, je me fais blouser deux fois sur trois en ce moment. Ah, t'es bon, non, t'es bon. T'es bien. Ah, oui. 6 points, c'est toi qui l'emporte, Fabien. Ça, bravo. Ça, c'est joué à peu de choses. Ah oui, juste, tu es talonné par Victoire. Et Jean-Sébastien. Sur quoi t'as bullé? Bah, j'en sais rien, c'est des histoires bizarres, là. Oui, c'est ça. Collaboratrice. Hein. Ça n'a pas l'esprit assez tendu. Ah, le dîner. C'est le dîner. C'est les deux premières. Bah non, enfin, Gérard, il faut que... Il changerait la jurisprudence pour t'accorder. T'aurais pas changé ton panneau, t'étais là.